Et coucou la YouTube compagnie, on est toujours le 6 juin et je me suis dit qu'en attendant l'heure d'aller chercher, oui en fait j'ai testé c'est pas joli hein, effectivement c'est pas beau, le rouleau de chez Action là, de tampon, non c'est pas, ouais. On a vu mieux, hein. On a vu mieux, donc comme d'hab je vais me servir un peu, de ce que j'ai autour de moi pour faire ma petite page d'arcolage. Je vais prendre un peu de ça. Je vais venir couper un angle. J'ai envie. Je pensais que ça s'était calmé la pluie, en fait, pas du tout, quoi. C'est abusé. J'y ai cru pendant un instant. Mais c'était juste une croyance. Voilà, quoi. Là. Je vais venir mettre, je sais pas quoi. Oh putain, je suis toute raidasse des jambes. Et chiant. Un petit sticker, deux petits stickers. Je me sers comme d'hab, hein, uniquement ce qu'il y a autour de moi. Parce que sinon après, trop de choix, tu le choix. Hein. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Pourquoi pas. J'ai mis la madame Mimi qui voulait aller dehors, mais en fait ça se m'a radé d'une pression. Je vais quand même aller voir si elle veut pas rentrer. Notre petite cucule après linette là. Je sais pas ce qu'elle a cru. Je pense qu'elle a cru comme moi que c'était bon. Mais c'était pas bon. Ah, sa petit bébé. Qui a petit bébé? Je vais venir m'occuper un peu avec ça. Je vais venir le couper en deux par là. Moi, j'hésite pas à couper mes stickers et tout ça quand je fais mon arcolage. C'est vraiment le but. C'est de s'amuser, de déchirer, de découper, de voilà, de pas trop réfléchir et puis de venir enquiller des trucs sur notre page, quoi, tout bonnement, vraiment. Ah.
aider toutes celles qui fait des chaleurs par moment, des petits trucs comme ça. On est toujours pas plus laver tout, enfin vraiment pas l'heure que j'y pense. C'est un peu abusé là. Vraiment je m'en occupe parce que ça doit pas la... ça doit la rendre pas bien en plus. Là, là, en ce moment, là depuis 2 jours ça s'est calmé. Donc tant mieux. Et bon, ça repart très vite. Hein. Elle est pas très... elle a pas une semaine de tranquillité. C'est quelques jours de tranquillité et puis ça repart. Donc bon, à un moment donné, je vais pas avoir le choix. Quand même. Pour elle. Pour nous aussi d'ailleurs, hein, pas que pour elle, hein, parce que même pour nous c'est quand même super chiant. Donc bon. Donc là je la fais, on est, ouais, je vous dis, on est 6 juin, c'est 17h bientôt 15. Vous l'aurez pas là, je vais pas la publier pour aujourd'hui, celle-ci je pense sera plutôt pour dans les jours qui arrivent. Wally Wallou. Mettre ça par là. Je vais pas y mettre ça. Je vais mettre celui-là plutôt. Un petit peu par là. De petit rond. Hop, colle. Donc à moins 20, faut que je sois partie maxi. Si on part à moins 20, c'est que je m'arrête pas en nose. Ce serait bien que je m'arrête pas en nose parce que. En fait, l'histoire, c'est que le nose, c'est un peu comme l'action. Hein. Quand vous avez besoin de rien, bah, vous ressortez avec des trucs. Donc, bon. Voilà, quoi. Parce que la seule chose que j'ai vraiment besoin, là, qu'il faut que je m'arrête quelque part, vraiment acheter, parce que ça, je suis pratiquement sûre, je n'aurai pas d'ennui. To go, c'est du café. Et je me demande quand même si... voilà, je vais quand même pas essayer de me retrouver une vraie machine italienne parce que ça me saoule de boire du café soluble. C'est bien pour dépanner, mais ça me saoule. Et ça me ressoule de boire ça. Pas sûr, ça c'est pas meilleur que le café pour l'estomac, ce que je me suis rendu compte. Donc à un moment donné, hein, comment vous dire? Là, sûrement quand je vais partir, je vais lancer peut-être une petite pipeterie voiture, je sais pas encore. Je réplique. Des fois, je sais pas pourquoi, en fait, j'arrive à remplir bien un côté dans mon journal, là. Puis, il y a des fois, je sais pas pourquoi, j'arrive pas. C'est un truc de dingue, c'est complètement con. Mais c'est réaliste, quoi, cette histoire-là, malgré tout. Et là, ça va se concentrer, là, j'imagine, comme c'est parti, l'histoire. Des fois, il faut essayer de se forcer. Ça qui est bien aussi à sortir un peu de ses habitudes. C'est quand même pas tant mal. Parce qu'en fait, là, du coup, je vais chercher le tout à Saint-Claude. Il faut traverser tout Saint-Claude. Je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer Saint-Claude, la ville, quoi. Comment aller un petit peu dedans. Ça, je me dis, ce serait peut-être pas mal quand même de vous annoncer un petit pipeterie dans la bagnole. Ça pourrait être cool.
à voir. J'ai un tri à faire dans mes... Il faut que je refasse ce tri parce que j'ai mélangé beaucoup de boîtes. En fait, comme je les trimballe, et comme je veux toujours avoir quand même un minimum de choix, je les trimballe, mais du coup, le délire, c'est que je les remélange. Donc, bon. Voilà, quoi. Je vais mettre un gros oiseau. Je vais le mettre par là, celui-là. Je pense que le haut de ma page, là, vous voyez, cette partie-là, là, je ne vais plus la toucher, je l'aime bien comme ça. Je l'aime bien comme ça, ben voilà. Hop, je vais en mettre un comme ça par là. Oh merde, je suis en train de me rendre compte, je voulais vous montrer un autre... C'est pas grave, on fera ça quand on reprendra la chaîne. Ah, je l'ai complètement raté. Je vais vous montrer un truc. Donc, comment on pouvait aussi fermer. Mais je viens de me rendre compte que j'y ai zappé. Bon. Ça sera quand on va monter le jungle, du coup. Pas ce... Ce turlupiné, c'est le même. Je vais mettre le même. Je vais en mettre un autre. Ah, avec un lit, c'est pas mal. Je pense. Je vais mettre un petit comme ça. Là, je vais bien le mettre. Je vais bien le mettre par là. Là. C'est sur cette partie-là. Là, on va dire ça. Je ne vais pas remettre quelque chose dessus. Par contre, je vais continuer à mettre des petites choses. Qu'est-ce que j'ai là? Hop. Ça reste dans les tons, c'est pas mal. Hop. On va le mettre comme ça. Alors, des fois, sur mes pages, il ne va pas rester du tout une seule... par le dessous de la page, quoi, le blanc de la page. Puis des fois, il m'en reste. Après, ça fait aussi son charme de laisser un petit peu de page blanche, enfin, votre page de base, quoi. Moi, j'aime bien. Après, chacun voit midi à sa puerta. Le but étant de s'amuser, je rappelle, et de pas trop cogiter. En plus, moi, je cogite quand même, puisque je vous parle un peu en même temps. Du coup, ça me fait quand même cogiter un petit peu. Mais c'est bien, c'est bien. C'est pas non plus... Oui, je cogite pas, mais il faut quand même qu'à mes yeux, le rendu soit pas moche, quoi. Parce que sinon, c'est... Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. C'est pas grave s'il n'y a pas un thème ou quoi, que c'est un peu mélangé. Mais par contre, j'aime bien quand même que ça soit joli à regarder. Au niveau de mes assemblages de couleurs et tout ça, quoi. Mais je vais mettre encore mes deux petits bouts là, je pense. Et je vais stopper cette page là parce qu'elle sera méga bien garnie. Je trouve. Je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais venir la mettre ici. Hop. Peut-être pas trop cacher mon camé là. Et je vais juste faire un petit rappel quand même finalement en haut de ce papier là qui n'est que sur le bas. Le mettre par là, voilà, comme ça j'ai envie, et lui je vais venir le mettre là-haut, mais je vais couper encore en deux pour que ce soit vraiment des petites touches, que ce soit pas trop gros. Alors si vous ne m'entendez pas, c'est normal, quand je fais l'arcollage je parle pas trop fort,
tout simplement parce que c'est censé être un moment de détente, de méditation un peu. C'est une forme de méditation, pour moi en tout cas. Donc, oui, des fois il y a des blancs, je parle pas. Et des fois je parle doucement. Parce que voilà, pour moi c'est vraiment un moment de calme et de méditation. Voilà. Hop, voilà, ma page. Je la trouve très bien comme ça, perso. Je n'ai absolument pas du tout envie de lui rajouter quoi que ce soit et de la charger plus. Elle est quand même déjà franchement pas mal chargée. Ça me convient très bien. Hop. Hop. Elle est où le couvercle de ça là? Hop, et voilà. Donc, et ça pleut, ah vache qui pisse, ah vache qui pisse, ça me saoule parce que je vais sûrement devoir marcher à Saint-Claude et j'ai pas trop envie. Voilà, je vais pas me mentir à moi-même, je n'ai pas envie de marcher. Je vais pas tarder. Allez, je vais mettre ma petite date qui va bien, nous sommes, on a dit le 6 juin 2024. Voilà. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, surtout que ça vous inspire. C'est ça le principal, c'est que ça vous inspire. Et puis que ça vous donne envie d'essayer. Vous n'êtes pas obligé de prendre un gros cahier, vous pouvez prendre des petits cahiers, vous pouvez prendre des cahiers à ligne, vous pouvez prendre. Si vous avez peur de ne pas finir votre cahier, prenez juste une page, commencez par juste une page. Que vous pourrez juste tout bonnement finalement venir derrière vous servir de fond, pourquoi pas, hein, dans un journal, dans un album, dans ce que vous voudrez. Et j'avais dit une page où je mets un peu les bouts de reste que je ne saurais pas quoi faire avec. Bah là, voilà, la voilà, clairement. Je vais mettre une touche de ça là-dedans. Et là, je sais pas, vous voyez bien, hein, ça n'a absolument aucun... aucun rapport, hein, ce que j'ai collé. C'est tout à des jours différents. Voilà. Hop. Allez, je vais vous souhaiter une bonne d'un bon début de soirée, puisqu'on est bientôt 6 heures. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao.